Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation du Steelbook de Space Jam. Donc, édition allemande, enfin édition allemande, chopée du moins sur Amazon.de. Je ne sais pas si une version en français est prévue, peu importe. J'ai chopé ça sur Amazon.de pour 15 euros hors frais de port. Hein, il y avait presque 3 euros de frais de port, ce qui est dommage. Et j'ai rien trouvé de plus pour amortir les frais. Du coup, le steelbook, plutôt sympa dans l'ensemble. Là, je viens juste de le déballer parce que là, j'avais plus de batterie sur la caméra, donc j'ai dû recommencer la vidéo. Dommage. Très bonne surprise. Le film, je l'ai vu une seule fois à sa sortie. Il m'avait pas laissé un souvenir de ouf. Bon, voilà, pour 15 euros, on verra bien. Si j'aime pas, au pire, il ira à la revente. Alors, le steelbook. Donc, on a du spot gloss sur les Toons. Je sais pas si on voit bien. Donc ça fait un beau petit effet. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de spot gloss sur le titre, et ni sur Michael Jordan. Du coup, ça fait un peu fade les couleurs, c'est dommage. Sur la tranche, on a le titre avec le logo Warner et Blu-ray habituel. Le verso, qui est une bonne surprise pour moi. J'aime beaucoup. Donc toujours du spot gloss sur les Toons. Voilà. À l'intérieur, par contre, ça se gâte un peu dans le peu que j'ai vu. Donc, le disque noir étoilé, ok. Bon, gros logo FSK bien pourri pour bien gâcher le truc. Donc, voilà, rien, pas de titre, que dalle. Et l'artwork interne, la couleur est pas top non plus. Bon, ça va, c'est coloré, mais bon, ça mériterait d'avoir un peu plus de peps. Donc voilà, un petit steelbook semi-teinte, en semi-teinte, ouais, pour un prix relativement correct. Donc à voir s'il sort en France, comme ça vous donne une petite idée si vous voulez vous le choper. Ouais, il vaut clairement pas plus de 15 euros, hein, donc à vous de voir. Donc merci de m'avoir suivi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao les amis.